Depuis quelque temps, des compatriotes inondent les réseaux sociaux avec des propos remplis de haine et d'injures proférés contre des autorités de l'État, notamment la plus haute d'entre elles, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire-Oligingema. À l'heure où les Gabonais attendent avec beaucoup d'espérance que leur pays soit à nouveau digne d'envie, les actes antipatriotiques posés par des compatriotes nostalgiques d'un passé qui a fait tant de mal à notre pays ne sont pas tolérables. Les propos dont ils sont porteurs et que la décence nous empêche de prononcer, mais dont le caractère méprisant, injurieux et diffamant ne fait l'ombre d'aucun doute, ne saurait rester impuni dans un pays où la restauration des valeurs morales est également inscrite en lettres d'or dans l'agenda du CTRI. Que chacun sache que la liberté d'expression n'est pas la liberté de tous les excès et qu'en tout temps, il faut savoir raison garder. Nous reconstruirons ce pays dans l'ordre et la discipline, le tout dans le respect des droits et de la dignité humaine. Aussi, conformément aux lois en vigueur en République gabonaise, des fermes instructions ont été données à la chaîne du ministère public pour la mise en mouvement de toutes les actions pénales possibles en réponse aux atteintes à la loi constatées. Le temps du laisser-aller est révolu. La justice doit être égale pour tous. Je vous remercie. Le procureur général de Libreville a annoncé à la télévision nationale l'amorce d'une procédure judiciaire pour propos injurieux, sans citer directement l'ancienne première dame, Marie-Joséphine Kama. Jean-Bedel Moussaoudou Mundunga était l'invité spécial du 20h, à la télévision nationale Gabon Première. Le procureur général de Libreville s'est prononcé sur les enregistrements audio qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, le 14 décembre 2023. Une communication importante, selon la présentatrice du journal télévisé. Conformément aux lois en vigueur, de fermes instructions ont été données au ministère public pour la mise en mouvement de toutes les actions pénales possibles en réponse aux atteintes à la loi constatées, a annoncé le magistrat. Sans nommer directement Patience Dabani, la mère d'Ali Bongo Ondimba, le procureur a évoqué les propos remplis de haine et d'injures proférés contre des autorités de l'État, notamment la plus haute d'entre elles, le président de la transition, Brice Clotaire-Oligingema. Dans plusieurs enregistrements sonores qui lui sont attribués, la star de la chanson gabonaise exprime son mécontentement de ne pas pouvoir rendre visite à son fils depuis le coup d'État du 30 août 2023. La star de la chanson gabonaise multiplie les sorties pour avoir l'autorisation de visiter son fils, Ali Bongo Ondimba, reclus dans sa résidence de la Sablière depuis le coup d'État du 30 août 2023. Le 29 novembre 2023, assise sur une chaise en plastique, Marie-Joséphine Kama, plus connue sous le nom de Patience Dabani, attend sous le soleil. Devant la résidence privée du président déchu, Ali Bongo Ondimba, l'artiste gabonaise s'impatiente. Cela fait plusieurs mois que l'ancienne épouse d'Omar Bongo Ondimba se voit refuser les visites à son fils. La vidéo fait le tour des réseaux sociaux, et son sit-in est très commenté. Le 11 décembre 2023, Patience Dabani a de nouveau fait entendre sa voix. Dans plusieurs notes vocales qui lui sont attribuées, diffusées largement, notamment sur WhatsApp, la chanteuse se plaint de ne pas pouvoir voir Ali Bongo Ondimba depuis le coup d'État. D'après le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, qui a pris le pouvoir, ce dernier est libre de ses mouvements et autorisé à quitter le pays. Mais à l'exception de quelques personnalités politiques du continent passées par Libreville, comme la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, Louise Mushikiwabo, ou le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, peu de visiteurs sont autorisés à passer les portes de la villa de la Sablière.
Personne ne le voit, affirme Patience Dabani dans ses conversations vocales, son interlocuteur n'est pas audible. Et s'il y a le feu, il est fini? Aux yeux de l'artiste, Ali Bongo Ondimba n'est pas libre de se déplacer. Sa mère raconte avoir été empêchée à plusieurs reprises de sortir de chez elle, les gardes surveillant sa maison, l'accusant de vouloir forcer le passage pour voir l'ancien président. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est malade? Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne comprends pas, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux, que je me rende à la télé, que moi aussi je gaspille tout. Une mère ne peut pas voir son fils, alors que lui, Brice Clotaire Oligui-Guema, a déclaré que mon enfant était libre, poursuit-elle. Alors pourquoi on m'empêche? C'est donc que c'est un menteur, Ali Bongo Ondimba n'a jamais été libre. Contrairement à son épouse Sylvia Bongo Ondimba et à son fils Noureddine Bongo Valentin Ondimba, incarcéré à la prison centrale de Libreville, Ali Bongo Ondimba n'est pas inquiété par la justice. Mais peut-il réellement agir comme bon lui semble? La célèbre chanteuse exprime ainsi sa colère contre le président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Guema. Ancien patron de la garde républicaine, le général de brigade connaissait bien Ali Bongo Ondimba et son père. L'un, la nourrit, affirme-t-elle, tandis que l'autre a été jusqu'à le nommer général, regrette Patience Dabani, avant de le qualifier de chien. Ils peuvent aller lui dire, je n'ai pas peur. Je vais sortir par ce portail-là, c'est le mien, et les gardes n'ont qu'à foutre le camp de chez moi. La mère d'Ali Bongo Ondimba raconte avoir reçu la visite de militaires, sans préciser la date, et explique aussi ne pas avoir été témoin des faits reprochés à l'ex-première dame ou à Ali Bongo Ondimba. Sylvia est une voleuse, Ali aussi c'est un voleur? S'interroge-t-elle. Brice Clotaire Oligui-Guema disait toujours que c'était Sylvia qui ne voulait pas que je voie mon fils. Et maintenant, elle est en prison, et lui est président de la République. Je me fous qu'il soit président, je veux seulement voir mon fils. Affirmant que ce dernier est souffrant, Patience Dabani dit vouloir lui soigner son pied et son bras. Il est gardé là-bas. Même un tueur ne peut pas être gardé comme ça, conclut la chanteuse. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.